Salut à toutes et à tous, c'est Yov! Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12. Normalement, numéro 12. Je suppose. Je n'ai pas, enfin, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est pas grave. Oui, donc on avait mis les métals à chauffer. Donc là, moi, je reprends directement après l'épisode 10. Hein. Je continue tant que je peux. J'ai récupéré du métal, je vais aller le ranger. On devait aller tuer des cochons. Des questions on va aller chercher du sable aussi. J'ai pas regardé par contre pour la laine. Alors, ça, je le ferai hors vidéo. On verra évoluer au fur et à mesure l'arbre ensemble. Donc voilà, l'arbre des Claws. Par contre, ce serait bien de trouver un mouton marron. Ça peut se trouver, mais j'en vois pas souvent. Ça doit être peut-être le mouton le plus rare au monde. Donc un cochon. Il n'y a pas de cochon ici? Ah nous, il nous faut un cochon, hein, sinon on est... Ouh, le soleil va se coucher très bientôt. Donc vite. Oh, Creeper! Donc il y a toujours des monstres qui spawnent ici. Il doit sûrement... Allez, viens. Viens mon gros. Il doit sûrement y avoir trop de... Trop de... Trop de... Oh, quel enfoiré, il m'a rien donné. Eh ben. Élégant. Par contre, je sais pas où il pourrait spawner. Hein, là. Ici, peut-être. Ce qui fait un peu sombre, c'est vrai, ici. Mais bon, à ce point-là... Pas buté, tout de même. En tout cas, il y en a un qui est là-bas. Je l'ai vu. Oui, il est là. On va aller le chercher. Allez, viens. Mister Fort. Alors, une poudre en plus, les amis, une poudre en plus, c'est parfait. Ce qu'il nous faut, c'est un mouton marron ou un cochon. Mais un cochon, ce serait plus le bienvenu. Alors toi, tu vas me filer ta laine, merci, parce que j'ai bien envie de me faire deux stocks de laine, comme ça, je serai tranquillou. Hop. Qu'est-ce que c'est beau d'empêcher de se balader. Franchement, me balader là-dedans. C'est bon, je peux me balader toute la journée hein, si vous voulez. Oh, il y a des cubes qui volent là-bas. Alors, je cherche un cochon, alors je suis très concentré. J'espère ne pas tomber sur des gens qui en ont vu un et ils vont me dire, hey, sale boulet, t'as pas... Ah, un cochon! Cochon! On va tuer le cochon! Nya! Ouais, côtelette. Côtelette, winner. Je sais pas si je prends les fleurs, je m'en. Ça fait beau, ça fait un petit décor, tout joli, tout beau. Alors, il y a des monstres parfois à côté de l'arbre à couleur. Donc, on va aller faire un petit tour près de l'arbre à couleur. Ah, d'ailleurs, le jour va partir. Ça fait 3 minutes de vidéo, donc on a le temps. Et nous, on va aller faire un détour dans la grotte. Je suis sûr que vous aimez me voir dans les grottes parce que ça me fait flipper comme un... Comme un dindon, voilà. Ça me fait flipper comme un dindon. Je regarde bien qu'il n'y ait pas de spawnage. C'est bizarre qu'il y ait un creeper qui est spawné ici. Hein. Et ça me fait peur à chaque fois que je viens là. Alors nous on était passé par où? On était passé par là. Parce que ça c'est le meilleur endroit où trouver des monstres. La preuve dans l'épisode 10 où on avait trouvé 4 creepers. Et 2 zombies ici. Qui tombaient à la rafale. Et m'ont bien fait sursauter. Ces enflures. Et même trembler. Trembler après que je les ai tués. Alors la preuve que ça m'a vraiment surpris ça. Oh! Charbon! Bon, ça, je vais le retenir. Qu'il y a du charbon ici. On va regarder, on va sécuriser le passage. C'est bon. Hop! Alors, là, ça doit être là qu'il y a des monstres. Parce que là, bon, ouais, non. Alors, si ça finit en cul-de-sac, je pète un câble, hein, je pète un steak.
Parce que des monstres qui spawnent comme ça, comme des fous ici, il doit y avoir un truc. Ok, c'est décidé, je pète un câble. C'est un cul-de-sac, quoi. Un cul-de-sac. Je me suis fait avoir par deux zombies, on va me faire croire que c'est un cul-de-sac ici. C'est pas normal, hein. Ou alors c'est en dessous de mes pieds, un donjon ou un truc du genre. En tout cas, il y a pas mal de monstres. Hein. Que ce soit là-bas. Oh là, il doit y avoir des trucs, hein. C'est pas possible. Ah, j'entends un zombie tout près. Il est où? Mami. Pas grave. Il se débrouille, hein. Vite à vie, mon ami. Franchement, faudra que je m'intéresse aux gens qui ont fait le bruitage du zombie. Voilà, donc c'était là, hein, les creepers. Donc, on va prendre les torches. Alors, on entend beaucoup de... Voilà. J'ai envie de me faire une passerelle. Oh non! T'as un lag maintenant! Il dure moins longtemps que les autres, donc c'est bon. Ça me va, ça me va. On va miner ici. Pour nous laisser un peu d'espace pour sauter et tout. Pour esquiver comme un dingue. Comme un héros, tel que je sais le faire. Oh, oui. Nom de Zox. Et là, il y a deux zombies qui vont tomber dessus. On va être mal barré. Est-ce qu'il y en a là? Il y a l'air d'en avoir, mais un peu plus au-dessus. Hop. Un cul-de-sac encore? Non mais... Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. 7 minutes 20 de vidéo. Ah, c'est pas possible, si cette grotte, il y a que des cul-de-sac. Ça va pas aller, hein. Péter mon... Péter un sec, voilà. C'est le mot parfait. Hop, hop. Passerelle, nickel. Ça rime, on s'en fout. Oh, encore un escalier, mais... Ah, ça se trouve... Bah non, on n'est pas dans une montagne. Tintin. Oh. Non, je voulais faire une musique assez classe en montant comme ça. Mais j'ai pas trouvé la musique. Pas de métal en plus. Ah, quand même. Ouais. Ça va, on y arrive, on est tranquille, on avance, on trouve rien, enfin si du métal, mais... Moi j'aimerais trouver un donjon, moi. Je suis fan des donjons. J'en demande. Oh. Ceux-là, ils vont pas m'échapper. Hein. Hop. On va reboucher, comme d'habitude. On va s'équiper de notre épée. Ouais. Mettre une torche là pour pas qu'il y ait des monstres qui spawnent. En dessous, il y a quoi? Il y a une source. En dessous, il y a une source. On y va? On y va, allez, il nous reste quelques petites secondes, enfin quelques petites minutes de vidéo. Alors par contre, là, ce qui va pas, c'est ça. Voilà. C'est mieux. Faire un petit ascenseur assez sympathique. Qu'est-ce que j'ai peur? Ça, c'est là, c'est une source qu'on a déjà vue ou pas? Bon, j'ai pas l'impression qu'on l'ait déjà vue. Non, c'est tout nouveau. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Va falloir la couper par contre, cette source.
Ouais, va falloir la couper. Il n'y a pas l'air d'avoir de monstres pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, les amis. On va miner là pour se faire un petit passage. Tranquille. Par contre, il nous reste que 30, 28 torches. Oula! Oh! C'est pas possible, il y a des ouvertures partout. On va miner là. On va miner au-dessus de nous. Ça va. Il n'y a pas de trou, on est tranquille. Pouvoir sauter là. Est-ce que je coupe la source? On va la couper, hein. Ce serait mieux pour nous de la couper. De toute façon, il y a une autre source qui est de l'autre côté, hein. Ici, on va mettre une torche pour pas que ça spawn et pour montrer qu'on est tranquille. Hop. Voilà, hop. Je suis pas rassuré, moi. Bon, si, en fait, je suis rassuré. Non, mais c'était pour vous faire marcher. Je savais que vous auriez cru qu'il y a un donjon tout près et que. J'ai cru qu'il y aurait un passage et que je l'aurais bien lu dans l'os. Combien de minutes là? Presque 12. On va continuer un petit peu. Au pire façon, vous avez vu tout ce qui nous attend dehors. Alors si avec ça, il n'y a pas un donjon au moins dans ces trucs-là, je me pends. Par contre, il faudrait faire un petit passage pour éviter l'autre passer par là. Oh, j'ai vu, c'était un zombie là-bas. Voilà, ça c'est parfait, je suis un PGM du blocage de source. Est-ce qu'on mine le charbon? On va miner, allez. Donc ça va faire. De toute façon, il n'y en a qu'un. Hein. Autant le prendre. Oh! Oh! J'ai un bug de chunk ou c'est un trou avec de la lave? Non, c'est un bug de chunk. Ok. Me voici dégoûté à fond. Oh, j'aime pas ces trucs à deux couloirs là comme ça, où je peux être cerné comme une loutre. On va miner ça. Hop. Alors, par contre là, je suis face à un grand choix de avancer. Reculer, me casser. Et non, je suis un fou. J'avance. Hop. Là, avec la chance que j'ai, c'est un cul de sac. Voilà, moi j'ai plus peur maintenant, franchement. Enfin, si, ça fait toujours un choc de tomber sur un monstre, mais voilà quoi. Ça me fait plus aussi peur qu'avant. Là, est-ce qu'il y en a un? Non. Oh oh! Il y a un troude. Ouais. Oh, il y a un trou ici. Hop. On éclaire. Ici, on va mettre quand même un système d'ascenseur. J'entends des zombies, mais je les vois pas. Alors, taisez-vous. Je vous entends, mais je vous vois pas. Donc voilà, ça sert à rien de crier. Hein. De toute façon, je vous veux pas de mal, je veux juste vous tuer. Ok. On va miner le charbon là, puis je crois qu'on va se quitter là-dedans, dans ce trou à rats. Voilà, bah oui, ça fait 14 minutes 26. Hop, allez, je mine. Hop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Oh, regardez cette montée. Salut à tous, à bientôt, gardez la forme. Salut à tous.